sommes déjà dans le jeu. Avec cette... j'allais dire cette feuille, mais non, ce n'est pas une feuille, c'est une pétale, un pétale. Un pétale, c'est masculin, que l'on dirige au gré du vent. En réalité, on ne dirige pas le pétale, on dirige une sorte de courant d'air qui va pousser le pétale. Et en soufflant, on peut faire accélérer le courant d'air et nous permettre de diriger le pétale dans ce décor totalement enchanteur, on peut bien dire. Et regardez, quand on se rapproche d'une fleur, délicatement, on va y aller tout doucement, sans trop faire de bruit, pour ne pas les affoler. Hop, la fleur éclot, et une nouvelle pétale, un nouveau pétale nous rejoint dans notre tourbillon multicolore, rose, jaune, blanc. Pour l'instant, vous allez voir qu'au fil de la vidéo, cette farandole va s'étoffer. Alors qu'est-ce que Flower? Bon, Flower, je pense que vous l'avez compris, c'est pas un jeu comme les autres. On va accélérer. D'abord disponible uniquement sur la PS3, sur le PlayStation Network, uniquement en téléchargement, 8€, ça pèse un peu plus de 600 MO, et c'est un ovni. Voilà, c'est pas un jeu comme les autres, c'est pour ma part, c'est entre la démo technique, parce que c'est vraiment magnifique, ce genre de jeu, on peut pas le voir sur Wii, faut être honnête, hein. Regardez-moi l'herbe, c'est surtout le rendu de l'herbe, quand on regarde seulement d'un point de vue de la réalisation, ce qui est con dans ce jeu, mais on va quand même en parler quelques secondes. C'est franchement bluffant. Regardez l'herbe, le rendu de l'herbe en mouvement perpétuel. Regardez, on peut aller en hauteur. Le jeu se joue uniquement à la six-axis. Regardez-moi ça. Fluidité exemplaire. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'est vraiment magnifique. Vraiment pas ce qu'on peut reprocher techniquement au titre. C'est fabuleux. Regardez, dès que l'on passe sur une fleur, un pétale nous rejoint à chaque fois. Avec une musique apaisante à souhait. Il y en a qui pourraient parler de musique d'ascenseur. Ça sera pas mon cas. Je trouve ça splendide. Hop, on pèle un petit peu en hauteur. Soleil, effet de lens flare. On relâche la manette. Une espèce de zoom avec une espèce d'effet de zoom au loin. Regardez ce qui se passe. Hop, je vais ici, je relâche la manette. Hop, ça floute au loin. Et en fait, une espèce de... comment dire, je sais pas vraiment comment dire, mais il y a, voilà, ça floute au loin. C'est extrêmement bien rendu. Extrêmement bien rendu. On ne te sert que d'un seul bouton. En plus d'une utilisation à la six-axis, je vous l'ai dit, mais on ne sert que d'un seul bouton. Tous les boutons, en fait, ont la même fonction, c'est-à-dire accélérer. On va en fait souffler sur le vent. On va faire accélérer le mouvement du vent, ce qui va permettre au pétale, évidemment, de prendre de la vitesse. Voilà, allez, on va peut-être avancer un petit peu. Je vais donc regarder ici, hop, un nouveau pétale jaune qui rejoint la farandole multicolore. Ici, hop, avec un petit bruit. Dès que l'on passe sur une fleur, on a droit à un bruit spécifique à chaque modèle de fleur. Écoutez. Magnifique. Et donc, comme vous venez de le voir, le but dans ce jeu va être... il n'y a pas réellement de but. Il y a un but, mais je pense que le but est personnel à chacun. Chacun comprendra ce qu'il veut comprendre. L'herbe, moi, c'est l'herbe qui me sidère. Regardez, quand on passe, il y a vraiment... l'herbe est vraiment pas modélisée, c'est pas la modélisation, c'est le je sais pas, c'est le rendu quand on passe. Vous voyez que ça épouse vraiment les mouvements du vent. C'est vraiment vraiment très 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 bien rendu. Vraiment, c'est bluffant. Voilà, c'est bluffant. Je trouve ça extraordinairement réussi. Voilà. Regardez, on va aller ici. Donc l'un des objectifs, si l'on peut dire, voilà, là j'ai touché cette espèce de bouquet de fleurs jaunes, et
donc des fleurs rouges et roses, on peut dire, ont poussé. Regardez ce qui se passe quand je vais toutes les toucher. Une petite cutscene s'enclenche. En fait, on peut dire qu'on a revigoré, si vous voulez, on a redonné vie en fait à cette portion de la plaine, de cette prairie qui était, on va dire, à moitié morte, flétrie. Voilà, ça c'est l'un des objectifs. On va se rendre compte au fil du jeu, mais je vais pas trop spoiler, je vais pas vous expliquer ce que c'est exactement. Et encore une fois, chacun se fera son propre avis sur le jeu. Je pense que c'est un peu l'objectif, si on peut appeler ça un jeu. Hop, on touche ici, c'est magnifique. Le maniement se fait vraiment pas mal. Pour la 6-axis, hein, on sait tous que la 6-axis n'est quand même pas extraordinaire. Bon, ça repousse pas non plus les limites du truc, mais ça se manie correctement, c'est ce qu'on lui demande. Hop, là j'ai oublié des fleurs à toucher, donc on y reva. Boum, un petit bruit à chaque fois. Et voilà, petite cutscene. Et hop, ça repousse. On redonne vie à la campagne, on peut dire, voilà. Alors attention, on n'est pas non plus libre d'aller où l'on veut, évidemment, la liberté n'est pas totale. Regardez, si je vais par là-bas, regardez, il va normalement, voilà, ça y est, je suis bloqué. Comme dans les vieux jeux, ça me fait penser aux vieux jeux de l'année 64 par exemple, voilà. Dès qu'on essaye d'aller trop loin, on est poussé de l'autre côté, voilà, regardez, vous allez voir, on est bloqué, voilà. On nous oblige à revenir au centre en fait. Alors ça c'est magnifique, regardez, je vais aller en hauteur et je vais mettre une vue. Voilà, si ça c'est pas beau. Voilà. Évidemment, il n'y a aucun clipping. L'herbe, même au niveau de l'herbe, on voit l'herbe à une centaine de mètres. Si ça c'est pas beau, je sais pas ce que c'est. Alors évidemment, ça va pas rendre sur la vidéo comme ça rend quand on est en HD, d'autant plus que le jeu est compatible jusqu'à 1080p. C'est pas non plus tous les jeux PlayStation 3 qui sont compatibles 1080p, le maximum. Hein. Celui-là, il l'est. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, honnêtement, vous l'avez compris. Je vais pas non plus rentrer dans les superlatifs poétiques, oniriques, voilà, un jeu à la Ico, à la Shadow of the Colossus, un concept, oui, c'est vrai. Mais encore une fois, c'est un jeu que chacun comprendra à sa manière. Moi, je considère, encore une fois, c'est... La première fois que j'ai joué à ce jeu, je voyais plus ça comme une démo technique. Mais une fois que je l'ai fini, il y a quand même quelque chose. La durée de vie est évidemment relativement faible compte tenu du prix. 8€, je vous l'ai dit. Moi, ce jeu-là, pour moi, c'est un jeu que tout joueur digne de ce nom se doit d'y jouer. Au moins une fois. Chaque joueur doit au moins jouer une fois à ce jeu. Parce que voilà, c'est l'un des jeux, pour ma part en tout cas, qui restera gravé dans ma mémoire. Quand je penserai plus tard à PlayStation 3, eh bien, je penserai à Flower. Vraiment, je penserai à Flower. Quoi. Comme je pourrais penser à Metal Gear Solid 4, mais je penserai également à Flower. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Je vous dirai pas non plus que tout est parfait, bien sûr, la durée de vie, je vais y revenir. Bon, j'ai fini le jeu à un peu plus de 2 heures, on va dire, et pourtant j'ai pris mon temps, hein, mais... Maximum 3 heures, voilà, en 3 heures on en voit le bout. Il y a signaux parce qu'il y a quand même des objectifs. D'ailleurs là je vois que je fais un peu n'importe quoi. Donc on va voir, voilà, là-bas par exemple, on voit qu'il reste une parcelle d'herbe grise. Donc on va y aller, on va toucher. Hop là, une espèce de jonquille. Je crois que les jonquilles sont jaunes. Enfin, je ne mettrai pas ma main à couper sur ça, hein. On va inventer des nouveaux mots. Voilà, et en fait l'objectif à chaque fois que l'on fait ça, voilà, là on voit des nouvelles pousses, des fleurs qui naissent ici, on va aller ramasser leurs pétales, vous voyez que la farandole, le tourbillon de pétales s'augmente à chaque fois, on va essayer de toutes, voilà, là, des nouvelles fleurs ici, on va prendre leurs pétales, et à chaque fois, on a droit à une petite cutscene qui nous indique que l'objectif, grosso modo, a été rempli, voilà, là, je pense qu'on va pouvoir monter sur la petite colline, voilà, qui était ici, alors que jusqu'à présent on ne pouvait pas le faire. J'aurais été bloqué, le vent m'aurait ramené à l'arrière. Vous voyez qu'il n'y a pas d'interface, il n'y a pas de barre de vie, bien évidemment, il n'y a pas de score. Tout est fait vraiment pour rester, pour s'imprégner de cette atmosphère si particulière à ce genre de jeu. C'est vrai que ce soit sur le Xbox Live, même si ce jeu encore une fois n'est pas disponible sur le Xbox Live. C'est vrai que ce genre de jeu sur le PlayStation Network ou sur l'Xbox Live,
c'est un genre de jeu qui a tendance. Il y en a de plus en plus des jeux comme ça qui sont plus des concepts que des véritables jeux. Et ça, c'est bien. C'est vraiment bien. D'autant plus quand on a des jeux comme ça qui sont bien réalisés. Généralement, ce genre de jeux, ils sont réalisés, j'ai envie de dire, un peu à la va-vite, même si parfois ils sont vraiment intéressants. Là, on a un jeu qui non seulement est intéressant, mais qui est extrêmement bien réalisé. Qui a un maniement parfait. Regardez, là, je vais tenter d'aller là. Vous allez voir, je vais y arriver assez facilement. Malgré le fait que je ne contrôle que avec la 6-axis, donc la reconnaissance de mouvement, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le nom, hein, qui ne sont pas familiarisés sur la PS3, c'est en fait une sorte de reconnaissance de mouvement, c'est-à-dire je penche la manette à droite, je vais à droite, je pense à gauche, je vais à gauche, je monte vers le haut, hop, là on monte vers le haut, et on va vers le bas. C'est assez basique, bien sûr, c'est pas aussi évolué qu'à la Wiimote, mais ça le fait, pour ce genre de jeu, ça le fait. Voilà, pour des jeux qui demande vraiment quelque chose de précis, évidemment ça le ferait pas, mais là c'est pas le cas. C'est magnifique. C'est vraiment. Encore une fois, c'est l'esthétisme, c'est le level design de la chose, quoi. Il faut prendre le jeu dans un ensemble, dans son ensemble, quoi. Je vois pas ce qu'on peut lui reprocher à ce niveau-là. C'est. Avec la musique également, la musique qui fait partie de ce trip, de ce qu'on va ressentir en jouant à ce jeu. Encore une fois, c'est peut-être dommage que la liberté. Qu'on ne soit pas aussi libre qu'on pourrait le souhaiter. Regardez, voilà, ça va y aller. Dès qu'on essaye vraiment de partir du niveau, hop, on est de suite ramené en arrière. Et là, ça nous remet les idées en place. Ça nous dit, ah ben non, finalement, on n'est pas totalement libre. Ah, c'est dommage, disons. On n'est pas, c'est dommage. Donc là, si je veux, je peux finir le niveau, puisque j'ai accompli tous les objectifs. Je peux, si je le souhaite, revenir au début. Hein. Même si là, je vous ai à peu près tout montré de ce niveau-là. Donc on va le finir. Hop, on va aller dans ce petit tourbillon. Normalement, le niveau va se finir. Voilà. Donc, Flower, c'est sorti il y a environ un mois. Hein, le 12 février, il me semble. Moi, c'est un jeu que je conseille à tout le monde. Ça vaut que 8€. Bon, c'est pas rien du tout 8€ non plus, par les temps qui courent. Mais c'est tellement... pas forcément amusant, mais c'est autre chose. Quoi. Voilà, ça fait plaisir d'avoir des jeux comme ça qui sont pas uniquement du paf-paf, boum-boum et du trucitage de zombies à outrance. Voilà, ça fait plaisir, même s'il faudrait pas non plus, il faudrait pas non plus se dire parce qu'un jeu est poétique, parce qu'un jeu est original, il est forcément super. Non, il y a des défauts à ce jeu. La durée de vie, encore une fois, il n'y a que 6 niveaux, plus un 7ème qui sont en fait les crédits. Mais bon, je vais pas non plus trop en dévoiler, mais c'est vrai que les crédits, ils les ont fait d'une manière vraiment, vraiment spéciale et vraiment sympa. C'est-à-dire qu'on joue en même temps que l'on voit tous les développeurs. Tous les créateurs de ce jeu, il y en a beaucoup. Je pensais que c'était un jeu qui avait été fait que par une petite dizaine de personnes. Non, en fait, c'était une vérité, une grosse équipe qui a fait ce jeu. Ils sont vraiment nombreux à avoir créé ce jeu. C'est impressionnant. Bon, allez, je vais quand même vous montrer un autre niveau. On va partir de là, si j'y arrive. Évidemment, le jeu est très facile d'accès. Alors là, je crois qu'on ne peut pas faire plus facile d'accès que ça. Encore une fois, ça ne se joue qu'à la 6-axis. Un seul bouton. Vous l'avez vu, rien n'est expliqué. Il n'y a pas de tutoriel, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de menu. Vous voyez, là, on est sur le menu, qui là encore se dirige uniquement avec la reconnaissance de mouvement de la manette. Mais il n'y a pas de menu, rien ne nous est expliqué. On va choisir une fleur qui correspond, on peut dire, à, comment dire, pas un jour, à une sorte d'évolution du jeu. Parce qu'on va se rendre compte, le jour que je vous ai montré là était le premier niveau du jeu. Et on va en fait se rendre compte, même si là je vais pas trop vous spoiler, qu'au fur et à mesure de l'avancée du jeu, l'univers va devenir beaucoup plus sombre, beaucoup plus chaotique. Là je suis en train d'hésiter. Regardez, je vais vous montrer les menus, voilà, c'est ici, je vous montre juste visuellement comme ça, on va pas y aller dedans. Et là je suis en train d'hésiter si je vous montre un niveau de nuit, un niveau où il pleut, un niveau très sombre, très dark. Donc je sais pas trop, j'hésite à vous montrer le troisième niveau, ou alors le niveau de nuit que j'aime bien. De toute façon, je ne vous montrerai que deux niveaux pour pas trop encore trop vous en dévoiler. Donc j'hésite entre le niveau de nuit et le niveau... Le problème, c'est que le niveau de nuit, vous allez parler le niveau de nuit. Même si vous allez peut-être pas y voir grand-chose, je verrai si je peux augmenter la luminosité ensuite quand je ferai le montage vidéo. J'espère que l'on y verra assez. Les effets de particules dans ce jeu sont bluffants, surtout justement dans ce niveau-là, le niveau où on va diriger la pétale, le pétale, nom de Dieu, le pétale durant la nuit. C'est assez fabuleux, il faut dire. C'est un rêve, c'est vraiment un rêve. Il y a une histoire, encore une fois, on se fait tous notre propre histoire, mais il y a une histoire, puisqu'on va au fur et à mesure
on va en fait arriver à la ville, à l'urbanisation humaine, si on peut dire. Il y a un message, les développeurs ont voulu faire passer un message, mais encore une fois, je n'en dirai pas plus à ce niveau-là. Vous allez voir que dans ce niveau-là, qui est, je crois, est le quatrième niveau, déjà, vous allez voir qu'il y a des poteaux électriques, en fait, qui vont s'éclairer au fur et à mesure de l'avancée. Le début commence toujours de la même façon, une fleur éclot et un pétale se dégage de cette fleur et ensuite on dirige un courant d'air, voilà, au gré du vent, et on va pouvoir le diriger. Donc là on le voit puisqu'on voit des fleurs qui sont entourées d'un petit halo. Il suffit d'aller sur ces fleurs, à chaque fois on a un petit son, encore une fois spécifique à chaque type de fleur qui se met. Voilà, très simplement, il suffit de passer comme ça, il suffit juste de passer dessus. Et à chaque fois en fait on va ramasser les pétales correspondantes à ces fleurs. Et une fois qu'on a ramassé toutes les pétales d'une section, on a droit à une petite cutscene, voilà, qui va nous montrer. Ah ben là, par exemple, c'est des moulins, des éoliennes qui se mettent en marche. Et voilà. Les poteaux électriques très mal faits. Vous voyez, ça contraste ce poteau qui est très 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 mal fait, qui est basique dans sa structure, mais je pense que ça a été fait exprès, parce que ça, ils voulaient pas mettre l'accent sur ça. C'est ça aussi qui est fort pour les développeurs. De toute façon, je crois que je vais m'arrêter de parler, parce que c'est un jeu qui n'est pas explicable, donc je vais pas... Moi, je le conseille à tout le monde, je vais pas trop parler, je vais finir ce niveau. Vous allez voir qu'à un moment, on a une sorte de texture, on va diriger une espèce de luciole qui va nous permettre... Ah mais ça y est, tiens, voilà. Voilà, regardez-moi ça, c'est magnifique, là. Là, les effets de particules, c'est là où on se dit, où moi je me suis dit, ah ouais, c'est quand même un peu une démo technique, quoi, comme ce qu'on pouvait avoir avec les cartes Nvidia, voyez le truc, les cartes graphiques Nvidia, où on nous montrait vraiment de quoi étaient capables les cartes, voyez le truc, ça me fait un peu... Ou alors, lors de la sortie de la PlayStation, par exemple, on avait un CD de démo, où on avait une Raymanta et un Tyrannosaure. Bon, là, je suis en train de raconter, je sais pas trop ce que je raconte, mais bref, voilà, ça me fait un peu penser à ça, mais regardez-moi ça. Là, il y a des centaines, des milliers de particules en même temps. Là, on voit quand même que cette génération de consoles en a quand même sous le capot. Hein. Regardez-moi ça. Dès qu'on lâche la manette, dès qu'on relâche la pression sur un bouton, c'est quand même vraiment poétique, il faut le dire. Voilà. Puis je vais m'arrêter de parler. C'est un jeu que je vous conseille. Évidemment, c'est pas un jeu comme les autres. Voilà. Je vais m'arrêter de parler. De toute façon, je vais tenter de finir ce niveau. Et je vous dis bye bye et à la prochaine.